Première game. Voyons voir ce que ça donne aujourd'hui sur, sur Warzone, sur Caldera, les gars. Profitons-en. Parce que quand Caldera sera parti, eh ben, on sera tous tristes. Hein. Toi, t'as déjà un kit de Toréa, toi? Bon, le shoot était pas là, c'est la première game. On est là pour ça, pour s'échauffer. On va avoir papa, toi. T'as pas été sage. Attends, c'est moi, y'a un mec là. Ok, deux mecs. Lui était dans le camion depuis tout à l'heure. Le bouclier sait que je suis là. On va tempo la zone au max. Dommage, il avait la zone. Il avait la zone. Mais c'est barré où? Ok. Bon, il y a des choses que je comprends pas. Parce que ça veut dire que là, le mec, je vais jeter la grenade dessus. Il allait dans la direction de la grenade. Bon, après, oui. Ça peut le faire, tu vois, si cherchait réparation. Mais bon, tu te prends une grenade, d'habitude tu cours à l'opposé. La prime est là-bas, on peut peut-être se la jouer, hein. Et si on avait comme projet d'acheter le colis? Ok, c'est sûr, aller cacher là-haut. Ou là-dedans. Elle était si mignonne. C'est triste. Ah ouais, petit capteur et tout, hein. Ça se prive de rien ici, hein. Ah, j'ai la réduction. Bon bah si j'ai... Attends, mais c'est un mec, ça. D'avancer.
mais... Tu viens me jouer, après tu te barres? Mais t'as pas honte? Ah ouais, lui, t'es sournois, hein. En fait, j'ai regardé à deux fois, je me suis dit, attends, j'ai vu un truc bouger, mais c'est peut-être... tu sais, en effet, un truc derrière une porte et tout, tu te déplaces, tu crois que ça bouge. Après, donc j'ai re-regardé. Et là, j'ai vu... quelque chose d'atypique. Ah non, non, non. Il me reste 40 secondes pour la jouer. Ce serait bien que je joue maintenant, en fait. Non, je comprends pas où elle est. Elle est là? J'avance. Ou elle est devant? Attends frère, un truc que je comprends pas là. Échec du contrat, le temps est écoulé. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Et là je le capte. Et là, je vois là. Ah, je comprenais pas parce que au début, je captais personne. Et après, j'ai capté. Ah bah oui, je reviens du goulag en plus. Oh là là. Magnifique ça. Bon, ça, ça me va. Maintenant, un petit drone. En plus, j'ai un kit d'autoréa et tout. C'est n'importe quoi. Mais après, le kit d'autoréa en solo, je suis pas extrêmement fan, tu vois. Pour moi, il sert à pas grand chose. Bon, là, je joue sniper. Donc peut-être qu'il va servir à quelque chose. Mais sinon, il sert pas à grand chose. Ok, on va tenter un truc. Ok, ici ça a été fait, donc c'est sûr, il y a du monde. Voilà. Il y a un mec sud. Au moins, on est informé. J'ai besoin d'un soutien aérien sur cette position. Ici le Venix 3, frappe imminente. L'ennemi est toujours vivant, je répète. Le drone commence son survol. On va pas se déplacer pour lui quand même. Il était fantôme, hein, le bougre. Attends, il y a un mec qui a pris ballon. Regarde ça. Ne regardez pas les gars. Âme sensible, s'abstenir. Une voiture. Oh, alors toi. Alors toi, t'as pas beaucoup aimé ce que je viens de te faire là. Ok, ta maison est un mec là. Lui, on peut se le faire au pire. Je tentais des trucs. Mais lui, j'ai peur là-haut là. Vu genre approche, une nouvelle zone de sécurité. Ok, je vois pas. Je les vois pas les mecs hein. Ok, bouclier sur ma gueule. Vas-y, on va prendre Steam parce que là, je crois que la rota va être très compliquée. J'ai besoin d'un soutien aérien sur cette position. Ici Phoenix 3, frappe imminente. Ah bah voilà, dans ta gueule. Cible éliminée. Alors le bouclier, soit c'est le mec qui était là-haut. Du coup, il n'y a plus personne là-haut. Ça, c'est encore une autre personne.
Bon, moi, il y a un mec en bas et un mec dans la direction ici. En gros, je suis plus haut. Ah. Ok, je pensais avoir bugué. Je suis plutôt bien là, en vrai. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Bah après le kit de Tauriel en solo, je suis pas extrêmement fan, tu vois. Pour moi, il sert à pas à grand chose. Bouffe le cul à ton culé! Bouffe le cul! Mec, alors je sais pas ce qui s'est passé sur le mec là qui m'a mis à terre. Soit il est mort du gaz, soit l'autre il lui a mis une cacahuète dans les dents. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire ma rota parfaitement et tomber nez à nez avec lui. Il m'a pas entendu, il a même pas capté que j'étais là. Au début de game, je dis ouais, le kit d'autoria et tout, pour moi ça sert pas à grand chose, tout ça, tout ça. Et au final, c'est ce qui me sauve.